SNK. Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du corps Saturn qui est officiellement disponible sur le Mister FPGA. On va regarder ça sur plusieurs jeux et comment le mettre à jour. Allez, c'est parti! Mais juste avant cela, quoi de mieux qu'une pub de l'époque de la console? Hey, mais c'est Valkyrie, c'est lui qui conçoit les jeux? Non, lui il les achète. Sega Saturn. Je dirais même bienvenue dans votre réalité, Sega ça a tourné mal. Allez, plus sérieusement, on regarde ce que propose cette version. Donc vous pouvez mettre à jour maintenant via le script Update All le corps Saturn sur le Mister FPGA. Donc il vous propose en plus d'un fonctionnement très stable la sauvegarde automatique et surtout la gestion des fichiers en CHD, donc les jeux Saturn compressés. Ce qui est une énorme évolution et un gain de place conséquent pour vos cartes SD et supports amovibles pour le Mister FPGA. L'autre bonne nouvelle, c'est aussi la prise en charge correcte des écrans CRT. Donc l'affichage est bien centré maintenant. Avant, il était décalé sur la gauche. C'était relativement désagréable. Maintenant, c'est géré. Pareil, la prise en charge de l'affichage en PAL ou NTSC, donc 50 Hz, 60 Hz. Selon les jeux et les régions, donc ça marche très bien, pas de souci à ce niveau là. Comme on le voit, on règle la région, on reset le corps, on charge le fichier donc CUE ou CHD et on peut lancer son jeu sans aucun problème. On teste tout de suite ça sur le jeu Sega Rally Championship qui est vraiment un très très bon jeu sur la Sega Saturn et qui a fait sa renommée aussi. Sega Rally Championship. Donc aucun problème de son, ni de musique. Niveau graphisme aussi, j'ai pas vu de glitch particulier. La vitesse du jeu est très très bonne, hein, vraiment pas de soucis non plus. Mais le gameplay pareil, hein, je joue avec la manette Sega Saturn Retrobit, j'ai pas eu le moindre problème. Comme vous voyez, c'est très très propre à l'écran. Ça fait vraiment très très plaisir, donc ce corps Saturn sur le Mister est un vrai plaisir pour tous les possesseurs de ce matériel. Allez, on passe au jeu suivant qui est Guardian Heroes en version américaine. L'intro du jeu, je vous la passe parce que ça n'a aucun intérêt, mais elle fonctionne bien, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Et pareil, dans le jeu, avant il y avait beaucoup de glitch parce qu'il y a beaucoup de plans différents sur ce jeu, c'est un peu particulier. Donc là, aucun souci, les textes sont bien affichés, la maniabilité, tout pareil, aucun souci. Vraiment, c'est excellent, c'est super sympa d'y jouer de cette façon-là. On enchaîne tout de suite sur un autre jeu, donc c'est rien d'autre que Panzer Dragoon 2, donc vraiment un super jeu, le successeur du premier épisode évidemment. Donc là on voit la petite intro qui s'affiche bien, le menu titre pareil, aucun souci. Et in-game, pas de ralentissement, pas de glitch, extrêmement fluide comme vous pouvez le voir. Comme tous les autres jeux, vraiment pas de soucis constatés particuliers. Il y en a peut-être sur certains jeux, mais je les ai pas identifiés. Je rappelle, hein, que tous les jeux que je charge, c'est en format CHD, donc ils sont compressés et c'est très très bien supporté. Aucun souci à ce niveau-là. Les musiques, pareil, les bruitages, tout fonctionne bien. J'ai vraiment rien à redire, à part d'être extrêmement content. Et on passe au dernier jeu de la liste, donc c'est Castlevania Symphony of the Night, donc la version Saturn qui est assez différente de la version PlayStation 1. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez choisir plusieurs personnages, c'est pas le cas dans la version sur PlayStation, dès le début du jeu.
Donc comme tous les autres jeux, hein, pareil, les bruitages, aucun problème, la musique, pas de souci. Peut-être légèrement faible dans ce jeu. Je ne sais pas si c'était comme ça sur le matériel d'origine, je ne me rappelle pas. On l'entend un petit peu moins que la version PlayStation. Mais bon, niveau maniabilité, pas de problème, graphiquement pas de problème. Encore un bonheur à jouer sur le Mister avec ce corps Saturn. Donc n'attendez pas, faites la mise à jour avec le script update.all pour avoir ce corps Saturn sur votre Mister et profitez pleinement des jeux de cette console. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin. On se dit à très vite sur la chaîne et bon jeu à tous. Ciao.